Voilà. Le packaging, il était dans cette petite boîte-là aux couleurs de Urban Decay. Alors, avant de commencer, vous savez que j'aime bien savoir ce que la marque nous dit sur leurs produits. Donc, Monsieur Urban Decay dit qu'un trait précis, fin ou prononcé, un déploiement de paillettes qui brillent comme des pierres incrustées pour un maquillage haute tenue, crée un regard sexy. Ouhou, attention les filles. Portez seul ou avec nos crayons aux yeux, donc c'est cela, hein, les 24-7 Velvet, où j'ai eu l'occasion aussi de le tester grâce à Octoly. Et pour un effet beaucoup plus intense. Voilà. Alors, tout d'abord, pourquoi j'ai voulu. Excusez-moi, je suis en train de régler la hauteur. Voilà. Pourquoi j'ai voulu tester en fait le eyeliner de chez Urban Decay? C'est pas parce que c'était Urban Decay du tout. En fait, si. En fait, j'ai voulu tester justement parce que c'était un eyeliner de chez Urban Decay, pour être honnête avec vous, parce que je voulais savoir ce que ce produit-là avait dans le ventre. J'ai déjà testé des eyeliners en paillettes de diverses marques qu'on peut trouver. Allez, je vous dis Jiffy, Babou, n'importe où. J'ai déjà commandé aussi avec Miscop, enfin voilà. Et là, je me suis dit, Urban Decay, on sait tous que c'est une marque, que leurs produits sont topissimes. Et moi, c'est une marque que j'adore depuis que je l'ai découverte. Hein, c'est une de mes chouchoutes avec Kat Von D. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas en test? Je me suis dit, ouais, mais les fêtes, elles sont passées. Donc, comment je vais l'utiliser? J'aime les paillettes, mais j'aime pas trop non plus les paillettes. J'aime les ombres crème pailleté, mais bon, ça passe encore. Là, je me suis dit comment je vais l'utiliser. Donc déjà, quand je l'ai reçu, j'ai dit waouh, ça c'est de la paillette, c'est vraiment top. La contenance 7,5 ml, il y a ce qu'il faut. Je me suis dit ouais. Alors, je suis allée voir sur le site, je me suis dit son prix, parce que sur le site Octoly, on ne voit pas du tout les prix. Je me suis dit 19 euros, bah dis donc, c'est un produit quand même qui n'est pas donné, et j'espère que la qualité va être là. Pourquoi? Parce qu'au niveau des eyeliners pailletés, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand je me mets le eyeliner, ça a tendance à me piquer, à me tirer, comme si que ça se rétractait au niveau de la peau, et limite après, ça va un peu s'écailler, s'effriter, s'en aller, et t'en as partout, et tu as une boule de facettes. Donc voilà. Alors là, on a dit, ben c'est quand même Urban Decay, donc on va voir. Je l'ai testé sur plusieurs façons. Je l'ai testé seul sans rien, en trait d'eyeliner. Je l'ai testé seul sans rien sur toute la paupière. Je l'ai testé avec, comme ils disent, Monsieur Urban Decay, leur crayon 24-7, ou celui-ci, c'est un de mes chouchous. Vous le savez, hein, j'ai fait la revue dessus, c'est une belle découverte pour moi. J'ai testé là comme là, et c'est là où c'est mon favori, avec le eyeliner noir, et j'ai testé avec un fard marron où je vous ferai sûrement un tuto à venir pour vous montrer justement ce que ce produit il a dans le ventre. Déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est déjà son packaging, il est plutôt sympa quand même, hein, parce que tout ce qui est tout ce qui est paillettes, c'est un peu bling bling, hein, voilà. Ensuite, ce que j'ai apprécié, je me suis dit, ou quand j'ai ouvert, je me suis dit, ouh là, le pinceau va être rigide. Et pas du tout. Et c'est là où j'ai bien aimé, c'est que en fait, le pinceau, on peut vraiment, comme Monsieur Urban Decay dit, faire un trait très précis, faire un trait beaucoup plus gros, et on revient au précis, et ainsi de suite. Donc, voilà, je vais finir mon petit S. Donc, quand on fait des make-up artistiques, eh ben, je veux dire qu'il tient la route. Voilà. Voilà ce que ça donne. Il tient bien la route. Alors, je vais laisser sécher, et ensuite, à la fin de la revue, je vous montrerai que, effectivement, quand Monsieur Urban Decay dit que c'est haute tenue. Alors, au niveau du gel, donc mes craintes, c'était ça, que ça me pique les yeux dans le coin interne et que ça s'effrite et que ça s'en aille. Pas du tout. Mais alors moi, sur mes yeux, pas du tout, il reste du matin jusqu'au soir. Donc vous allez voir, quand je vais le frotter, il ne s'en va pas, il ne s'effrite pas, il ne me fait pas mal du tout aux yeux. La seule chose que je n'ai pas testée, et c'est à cet endroit-là en dessous, c'est vrai que j'y ai pas du tout pensé. J'ai fait tout au niveau du haut, mais du bas, je n'y ai strictement rien fait. J'ai pas du tout pensé. Voilà. Alors un trait précis, oui. Un trait qu'on peut agrandir, oui. Une bonne tenue,
Oui, un bon démaquillage aussi, oui, il s'en va vraiment bien parce que vous avez un peu comme les vernis au niveau des ongles pailletés, ça accroche et ça le fait aussi souvent au niveau des yeux avec certains eyeliner pailletés et là, pas du tout. D'ailleurs, même si vous voulez un tuto démaquillage pour que je vous montre hein, en live, vous verrez, ça s'enlève directement avec le eyeliner ou le crayon. Évidemment, il va vous rester une ou deux paillettes sur les yeux, mais bon, voilà. Après, bah, vous nettoyez votre visage, mais ça n'accroche pas du tout le coton, ça peluche pas, ça s'effile pas et ça ne vous fait pas mal du tout aux yeux. J'ai été vraiment étonnée de ce produit-là. Je m'attendais pas du tout à ça. Et d'autant plus que quand ils disent que c'est des paillettes. Attendez, je reprends leur terme, des paillettes incrustées pour un maquillage obtenu comme des pierres incrustées, c'est effectivement c'est ça. Je trouve que les paillettes en fait qu'il y a dessus, elles sont très serrées et ça fait comment je vais vous dire? C'est pas 2-3 paillettes par là quoi en fait. Non, pas du tout. On a vraiment l'effet eyeliner gel paillettes complètement. Et ouais, j'adore. Donc on peut voir quand même que je l'ai quand même pas mal testé. En ce moment, je le mets tous les jours. Les avis positifs, mes collègues de travail m'ont demandé ce que je mettais sur mes yeux. Parce que j'avais mis le fard avec un petit... pas tout l'œil, hein, mais un petit peu parcimonie, voilà. Plus en eyeliner, bah hier c'est Fred qui m'a dit, je trouve que tu as le regard hein, plus pétillant, oui, mais je suis amoureuse. Non, lol. En fait, c'est que oui, effectivement, voilà, ce regard-là, je trouve que je vais rapprocher la caméra, ça pétille quoi. On a le eyeliner, voilà. Donc là, il est 17h28, donc je l'ai quand même depuis ce matin. Donc je me suis frottée là à plusieurs reprises. Hein, j'avais une touche lumière et voilà. Donc vous pouvez voir que quand même depuis ce matin, il est en place. Voilà, moi j'aime beaucoup. Donc je mets mon trait d'eyeliner noir et ensuite j'applique le gel par-dessus. Donc on voit le noir, on voit le côté doré. Et voilà. Donc il y a, je vous ai dit, 6 couleurs. Il y a le doré, il y a le argenté. Il y a une couleur un peu blanche, un peu comme la neige, avec des micro-particules un peu rosées, bleu pastel. Celui-là, il m'interpelle. Ici, je vais à Sephora. Dans mon Sephora, je vais le tester. Je ne l'ai pas vu dans mon Sephora. J'avais vu lui, je l'avais vu argent, j'avais vu bleu, un peu bleu turquoise. J'avais vu un peu un espèce de rose mauve et tout. Voilà, donc ça en tout cas, nickel. Franchement, moi j'en suis contente. Il n'y a pas besoin, vous voyez là, c'est permis à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être le 25 décembre ou 24, et le nouvel an, tout ça, pour se mettre des paillettes et pour avoir des petites paillettes dans sa vie. La joie. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà testé. Moi, c'est un produit, c'est une belle découverte encore. Je n'ai pas trouvé de défaut. Maintenant, je vais voir avec le temps si ça va sécher, comment ça va se passer au niveau du tube. Mais là, je n'ai pas du tout défaut. En tout cas, moi, c'est un produit qui me convient. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and... J'ai oublié, avant de partir, quand même, je vous montre, donc c'est sec et... Je frotte, je frotte, je frotte, vous voyez, ça tient bien, ça ne s'en va pas. Voilà, quand on dit que c'est haute tenue, vous pouvez voir hein, sur mon doigt, j'ai rien. Ça ne part pas. Donc ça, c'est nickel. Là, je vous dis au revoir. Smile and zen.